C'est NeoCache 2, yo bande de kebab, on se retrouve pour l'épisode numéro, putain de mémoire de merde, numéro 4, yeah, avec notre Ratchet, et avec notre Clank, et avec notre robot. Donc c'est Ratchet et Clank All for One, vous le savez, c'est marqué dans le titre, de toute façon vous êtes pas con, hein, bande de kebab. Olé, comment je l'ai expédié, et hop là on y va, oh mais je suis un malade. Par contre, ouais, c'est un peu risqué, en fait. Ouais, l'idéal, c'est d'y aller comme ça. Oh là 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 là, PGM ! Ouais, là, franchement, même moi, je pensais pas y arriver, quoi. Donc là, on avance pas mal, là, hein, ça commence bien. Hop, on arrive, on débarque, on casse tout. On est comme ça, nous. On est comme ça dans la Hitox Team, yeah. Voilà, c'est ça qu'on aime voir. Ah merde, maintenant il y en a plein. Y a pas de... Ah ok, ça c'est ses potes qu'on a sauvés. Ils nous donnent même pas une petite médaille, un petit boulon d'or. 200 boulons. Non, même pas, non. Putain, quel monde de radin, on dirait Guigui, quoi. Oh là 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 là. Hop. Toi, c'était juste là. Oh, je savais pas où j'étais là. Eh, franchement, là par contre, là c'est un tout petit peu mal foutu leur bordel. Hein. Je veux pas dire, mais. Et moi, je respawn où? Ok. Là, j'étais collé au ciel. Ça fait un truc chelou quand même. Oula, il me fait peur. J'ai cru qu'il arriverait pas à passer. Oula, il me fait un peu peur ce jeu là, dis donc. Hey, pas mal mon pote. Je suis en train de tout casser. Je vais t'aider, Ratchet. Je m'occupe de celui-là. Ah mais bravo. Mais comment je fais moi maintenant pour passer? Ok, je dois passer sur le côté. Merde, j'ai pris le mauvais truc. Alors, hop, hop. Ok, maintenant ça sert plus à rien. Je suis trop fort. Oh allez, putain, j'ai eu peur. Let's go! Bon, je te passe, mec. Allez, on y va, rapidos. En fait, ça c'est carrément des pièges, en fait. Enfin, je m'en rends compte que maintenant, en fait. Mais ouais, en fait, vaut mieux pas les casser. Je sais pas si... Enfin, ça nous apporterait, hein, remarque. Hein, donc, ça en est pas un petit peu la race. Un tout petit peu. Un tout petit peu la race, hein. Bon, voilà. Là aussi. Eh ben alors. Oh là là. Ah merde. J'ai pas réussi à me rattraper. J'ai voulu faire le petit triangle magique. Allez, hop. Et allez. Bon bah au moins c'est lui qui meurt. Je prends pas de risque. Non franchement c'est un peu loin là. Mais on peut même pas sauter. Mais c'est quoi ce what the fuck là? On va y arriver. Hop. Bouge ton fiacre. Mais pas là. Oh là 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 là. Oh là là. Oh, j'ai géré ma race là. Mais j'ai jamais autant été. J'ai jamais été aussi pro de ma vie quoi. J'en perds mes mots quoi, mais hallucinant. J'ai trop de level. Tellement de level que je recommence le truc quoi. Mais ouais les gars, c'est ça, je vous apprendrai. Non, non. Putain de merde. Eh franchement, je suis un PGM ou quoi? Eh mais ça fait mal là. Ça fait mal putain, j'arrête pas de mourir. C'est trop triste. Aussi lui fait tout péter là. Bien joué mon pote. Là, hop, on passe par là, tranquillo. Je détecte un crochet un peu plus loin. Sérieux? Ah je l'avais pas vu. Ça fait un peu deux fois que je recommence ce putain de truc parce qu'on est nul. Hein? Espèce de clank de mais. Ok bon là c'est un peu moi qui est nul, je le reconnais. Je le reconnais. Par contre là on est baisé. Ah non.
Non, il y a moyen de passer là. Oh putain, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. C'est short, mais ça passe. Hop. Là. Ah ouais, mais il va se relever, lui, logiquement. Non ? Au bout d'un moment, il va bien se relever. Eh non, il bouge plus, hein. Oh, j'ai réussi à passer. Et lui, il y est pas arrivé, hein. Ça prouve comme c'est dur. Non, franchement, c'est pas évident là ce moment. Je comprends que. Que je me suis chié. Elle s'énerve toute seule, je crois. Elle est en train de parler à un monstre qui n'a pas d'oreille. C'est un peu particulier comme ambiance. Ok, là ça bouge, mais de façon un petit peu aléatoire, enfin moyennement. En tout cas, c'est vachement bien foutu, genre dans le terme joli de la chose, quoi. J'ai trouvé des munitions. Voilà, hop, il va nous emmener. Ah non, faut y aller. Comme ça, oulalalala. Oulalalala. Bon, il vient ou quoi, lui? Oh, Clank. Bah, les Clank. Tiens-toi prêt, Ratchet. Allez, on y go. Je suis pas. Waouh, ouais, faut se rattraper là. Ouais, bien sûr, ouais. 4 km de long. Ah, un boss. C'est cool ça. Enfin, c'est cool, oui et non, quoi. Parce que. Bon, s'il est simple, ça va. Mais s'il est galère, voilà, quoi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qui dit boss, dit boulon. Et moi, j'aime ça. Alors, oui, bien sûr. Je voulais faire le boss, tu sais, aller sur la deuxième plateforme direct, mais non. faut se calmer un petit peu. Olé, là c'est pas mal. Je sais pas où il est, Clank, il est dans mon dos, ok, c'est génial. On court, on court. Hey, y'en a plus des petites bébêtes ou quoi? Je vous rappelle que dans l'épisode précédent, on avait trouvé 3 boulons d'or et là apparemment il y en a plus. Ok, on voit pas trop devant nous. C'est un peu ennuyeux, j'ai pas envie de rater des choses. Ouais, de toute façon, là on y est, on est le boss. On va pas se voiler la face. Tu crois que tu me fais peur, biatch? Ah, j'ai une idée, je vais lui taper dans l'œil. Ouais, je fais souvent cet effet. Je lui tape dans l'œil, ouais. Ah, c'est dans les tentacules qu'il faut taper. Ça leur fait des trucs, ça, ou pas? Ok, je crois que ça leur fait rien. On va éviter, on va plutôt y aller en mode bourrin. Comme on sait si bien le faire. Ah, ok, là, faut me tirer dans la gueule. Et bim! Il est un peu moche, quand même, hein. Je veux pas dire, mais franchement, des boss comme ça, je crois que franchement, j'ai jamais vu pire en termes de beauté, quoi. Qualité visuelle, quoi. Quand même, tu sexes, la famille, les bails. Bim dans ta bouche. Voilà, je reste appuyé sur les deux touches, ça fait le taf tout seul. Ça vise, ça tire, voilà, c'est pas bien compliqué. Il ouvre pas sa bouche là aujourd'hui, non? Ah ouais, mais je vois le délire, on va se retrouver vite vite Ken en fait. Ah mais c'est bon, il est mort. Ah, j'ai cru qu'on allait se retrouver genre sur une plateforme comme ça au final, tellement il allait défoncer les trucs. Mais non. Ah, ça va, j'ai eu des boulons, j'ai eu un trophée. C'est tranquille pépère, quoi. Moi, je sais que Futurite il va être dégoûté de pas avoir le trophée. Alors, ok, ces machins, c'est ses copains. Normal, tu sais, elle se fait porter comme ça. Puis elle nous dit, venez vers moi, venez, cher enfant. En fait, c'est elle la violeuse, c'est pas nous.
non mais c'est grave quoi, parce que ça fait 2 heures, enfin ça fait 4 épisodes. Franchement c'est ça, ça fait 4 épisodes. La meuf elle nous dit venez, venez voir, venez vers moi. On la suit depuis 4 épisodes et là elle nous dit je l'ai déjà dit 100 fois. Tu m'étonnes. Ah mais là c'est où on était tout à l'heure. Bien joué. Vous nous avez sauvé des gravoïdes. Bah ouais, on est un peu des super-héros quoi. C'est un peu notre taf, t'as vu. Vous avez à manger. Vous avez à manger, putain le connard. Attends, non mais déjà il nous donne, il nous récompense même pas et en plus il nous demande à bouffer. Mais putain, mais c'est quoi ça? C'est quoi ce pays là? Ah, du coup ouais, on peut activer ça. Pas con l'ami. Ah, je me souvenais de ce logo. Je me disais aussi. Par contre, je vois pas trop à quoi il peut se servir. Ok, bon bah on a la réponse. On a la réponse en image. Alors. C'est parti, on casse tout. On est des fous, on est des kebabs en folie. Alors. Ah ok, bon. Bah là c'est fini. On va continuer tranquillou. Ta-ta-tan ! Voilà, voilà, on est riche. On est des boss. Vous m'entendez ? Absolument, oui. Oui. Les gens vont se dire, c'est quoi ce what the fuck ? Ah ok, il y a une cinématique, je la laisse. Appelons l'éphéméris, le voleur de créatures. Il rôde depuis plus d'un siècle maintenant. Il capture les bêtes les plus dangereuses de l'univers et les amène ici, sur notre planète. Qui peut bien contrôler cette machine? Nul ne le sait. Mais le tyran que vous avez vu dans notre village était son émissaire, le commandant Spock. Cela fait des années qu'il protège l'éphéméris. Mais maintenant que vous êtes là... Wow, écoutez, je cherche juste un moyen de rentrer chez moi. Mais vous êtes Ratchet. Vous avez sauvé l'univers entier. Vous êtes pas censé... J'ai éternué dans mon masque. Écoute, petite, j'aimerais bien vous aider, toi et ton père. Mais mon pote et moi, on a pris notre retraite. On préviendra les forces défensives dès qu'on aura quitté la planète. Je ne suis pas le père de Suzy. Je crains que ses parents aient été victimes du raid de l'éphéméris sur Tortemphi. Comme beaucoup d'autres enfants ici, elle est orpheline. Eh bien... Alors, où est-ce qu'il est, ce commandant Spock? Je suis pas très chaud pour pénétrer dans cette forêt hantée. Bon, tant pis. Moi qui croyais que tu voulais faire exploser ta cote de popularité en sauvant des milliers d'électeurs... Faut croire que les parades et les groupies ne sont pas du goût de tout le monde. Une petite minute. J'adore les parades et les groupies. J'en suis. Attendez-moi. Un peu ridicule le méchant du début. Qui a peur des gentils, enfin qui ont vraiment des têtes particulières, je le reconnais. Je suis prêt à parier mes rotules d'origine que c'est à cet endroit que vous trouverez le commandant Spock. D'après nos informations, il semblerait qu'on ne puisse y accéder que par une gare ferroviaire souterraine. Oh. Ah ça y est, ils sont repartis ceux-là. Envie de destruction extrême? Teste le vaisseau guerre. Un lance-roquette tiraclon qui ne sert qu'à une chose. Pour plus de gars, ça va faire mal. Va en guerre sur la même cible. Bombe nucléaire quoi. C'est la mob. Ah stylé. Je l'achète direct. Alors, on dirait bien que le va en guerre est disponible. C'est ça, cette arme. Ok. Je raffole de ces nouveaux gadgets. Ouais, moi aussi j'en raffole ma gueule. Tom, tu sais. Alors. Pop pop pop. 30 000 quand même, hein. Putain, on peut plus améliorer là. Ça coûte la peau du zboob maintenant, hein, cette affaire. En tout cas, je kiffe vraiment l'histoire là. Enfin,
Je me demande s'ils nous conduisent pas vers un piège en même temps, parce que ça paraît un peu simple. Puis comme je vous l'avais déjà dit dans Ratchet, c'est vraiment surprise sur surprise. Enfin, c'est pas les scénarios sont vraiment pas mal quoi. J'espère qu'on va avoir des surprises. Ils sont pas mal ça. Ils sont pas mal moches. Enfin, je crois qu'il va pas falloir leur sauter dessus. Waouh. On se fait un varie. En tout cas, ouais, là on voit direct que là c'est les premiers petits monstres. Waouh. Et ils ont vraiment l'air déjà plus chauds que les anciens quoi. Que les anciens robots qui te faisaient même pas mal. Là, le level devient un peu plus serré, ça devient un peu plus palpitant. Alors il y avait une route en haut aussi. Je sais pas, je vais commencer par le haut, ouais. Ça se trouve, il n'y a rien en fait. Enfin, j'ai pas envie de passer à côté d'un boulon d'or en fait. Ah, ok, il y a rien. Il n'y a même pas de boulon d'or. Je suis déçu, il n'y a pas de boulon d'or. Tiens, va là-bas toi. Hop là. Allez, on court. Si vous voyez un boulon d'or hein, que je loupe, hein, vous me le dites. On va détruire par là. Par hasard, je suis mort. C'est génial. Je suis nul. Hey, y a encore les petits monstres par terre. Waouh, pas mal. Pas mal, pas mal. J'aime bien, c'est que c'est un univers coloré. C'est cartoon, c'est énorme. En cas d'attaque, les explorateurs doivent prendre pour cible leur abdomen non protégé. Ok. Par contre, quand il m'a tiré enfin, quand il m'est venu dessus, j'ai pas l'impression qu'il m'ait fait mal en fait. Je crois qu'il m'est passé à travers, je sais pas trop. Ouais, moi je tape à côté. Ouais. Chambon. Y'a rien. Eh bah, c'est parti. Là, on peut revenir en arrière. Ok. Je sais pas pourquoi, mais. Ça aura peut-être son importance plus tard. Tous les systèmes sont opérationnels. Allez, hop! Vas-y, Ratchet. Ok, c'est parti. On avance. Ratchet. Ah, si, il m'a fait un peu mal là. Wow, il était déjà mort. Ok. Hey, j'ai fait une prise. Ah, j'en avais pas loupé avant. Ah non, j'avais sûrement dû les prendre. J'ai peur de louper la vie. Enfin, je sais pas si j'en avais besoin. Je sais que quand je regarde des let's play, les gens, enfin les commentateurs quoi, ils font pas attention à la vie. Donc je sais pas si j'en fais bien attention ou pas. Vous me le direz. N'hésitez pas à mettre des commentaires, hein, ça me fera vraiment vraiment plaisir parce que voilà. Parce que c'est un peu, c'est un peu ce que j'aimerais avoir, c'est de l'interaction avec ceux qui regardent. Oh, de l'eau. C'est trop bon là. Alors, qu'est-ce qu'il y a par là? J'ai trouvé des munitions. C'est génial. Hop. Les données répertorient ce gadget comme mais c'est un génial. Les prospecteurs d'arpon les utilisent pour extraire des trésors. Une méga frappe devrait suffire à vous débarrasser de ces rochers. Essayez donc d'activer vos fracasseurs en même temps. Ah d'accord. Mais ça sert à quoi de casser ça? On peut passer par dessus. Ah non, mais après on va en avoir besoin, d'accord. Parce que là c'est un peu inutile quoi. Ouais, c'est vraiment chiant ça. Attends, faire ça à chaque rocher. Putain, ils nous ont pris pour qui là? J'aime bien Minecraft, mais bon, là on est sur Ratchet & Clank. Ah, ça va, on s'y fait. Oh là là. Ouais, ce qui est un peu chiant, c'est que c'est long quoi. Waouh! Ah ouais, là il a fait un super combo quand Clank s'y est mis en même temps que moi. C'est pas mal, enfin en tout cas on peut pas leur reprocher, c'est d'être original quoi. Parce que franchement ils t'inventent de ces armes, c'est improbable, c'est c'est tout ce que j'aime quoi. Tu peux me donner un coup de main? Parce que je vais pas y arriver tout seul quoi. Ça aurait mérité un boulon d'or pour trouver cet endroit.
Wow, je veux pas un boss moi. Un boss. Pas mal mon pote. Alors on va essayer de casser les rochers comme il nous l'avait dit. En fait faut se mettre d'abord dessus, ensuite appuyer. C'est un peu galère hein, je vous l'avoue. Enfin, peut-être pas vous en tant que spectateur, mais en tant que gamer, enfin en tant que moi dans la partie, c'est. Je trouve ça un peu chiant. Cet objet. En tout cas, puis ça rapporte pas énormément de points. On va comparer par rapport à une caisse. Je sais pas, ça rapportait. Bon, on s'en bat les couilles, on va pas faire du calcul, on n'est pas des comptables. Yeah ma gueule. Allez, c'est parti. Allez, hop là. Yeah boy. Wow. Ouais mais comment tu veux l'esquive le bonhomme là? Ouais, mon pote. Je sais pas comment il esquive mais... Ah yeah, j'aime bien ces machins. Bon en fait on fait juste pour aller là, c'est... Mais ouais, sur d'autres Ratchet et Clank, il y a des parcours comme ça qui font 2 km de long. C'est génial. J'ai fait une prise. Là on a eu pas mal de boulons. On est bien riche, c'est génial tout ça. Mais c'est génial, c'est magnifique. C'est que du bonheur. Allez on continue. Clank, tu peux me donner un coup de main? Clank, donne-moi un coup de main. On va continuer jusqu'à 30 minutes hein, comme l'épisode d'avant était un peu plus court à 20 minutes. Je vais faire entre les deux à chaque fois. Enfin, un de chaque ou entre les deux. En tout cas ça sera entre 20 et 30 minutes. Ah, c'est les monstres du début qui étaient pas très très durs. Ah mais je suis avec Star moi. Moi je suis en train de je suis en train de refaire la déco, tu sais, en attendant. Le mec tranquille, il est en combat, l'autre il est en train de refaire la déco ma gueule. Bim. Allez, plus on est de fou, plus on tue. Ah le bâtard. Ah le bâtard, il m'inquiète. Je l'ai cortexé sa race. Et un petit boss pour finir. Enfin un boss. Si on peut appeler ça un boss. Moi il me fait plus peur maintenant, monsieur. Ah tiens, attends. Attends, s'il te plaît. Faut que je teste ça. S'il te plaît. Ah ouais, mais c'est à rafale. Par contre, ça a l'air de faire très très mal quoi. C'est du bon tout ça. Et ça. Ça se ramasse ça, ouais. Ok, d'accord. Eh, franchement, ils ont de ces gueules les trucs à ramasser quoi. Les peluches. Regardez-moi ça. Mais regardez-moi ce truc là. On a envie d'une chose, c'est de lui fouetter sa race. Crie. Crie ta jouissance. Ou pas. Allez. Allez, niggas. Tu montes là-dedans et je te jette par terre et j'arrive par une corde invisible. Genre ils nous ont donné 2 vies, genre on était trop des merdes. Mais ils sont fous ceux-là. Je l'ai coincé. Ah d'accord, ça les paralyse. Ah bah comme ça on sera au courant pour la prochaine fois. Entre lui il fait rien. Attends, ils font pas mal. Ah faut les prendre par derrière. Waouh waouh waouh, mais il tire en rafale. Eh mais il nous ken. Un coup de main ne serait pas de refus. Ah ok. J'ai compris comment il fallait le ken. Ouais franchement il nous spawn kill là. Allez, aide-moi ma gueule. Et me revoilà. Ok. Non mais là on va pas s'en sortir. On peut pas se cacher là vite fait. J'ai une idée. On va mettre un faux moi. Et on va lui cortexer sa race.
Ah bah il a bien joué là. Je sais pas ce qu'il a fait mais. Je crois qu'il a pris par. Il l'a pris par dessus. Et franchement, il y en a, ils sont invisibles quoi. Et ils sont bien cachés, hein. Faut que je sois un peu plus attentif, hein, dis donc. Hop. En tout cas, c'est passionnant ce jeu, c'est. Waouh. C'est franchement magnifique. Je l'aime, ce Ratchet et Clank. Tiens-toi prêt, Ratchet. Hop, on ouvre ça. Clank, tu peux me donner allez, un coup ma... Allez, mon petit excellent Clank. Excellent travail d'équipe, bravo. Excellent travail d'équipe. Ça, on peut pas le casser comme ça. Eh ben non. Oh, on n'a pas croisé de boulon d'or. Hein. J'espère que je suis pas passé à côté. Quand je dis ça quoi, c'est franchement c'est je suis un pro quoi, c'est tout, il y a pas à dire. Un pouce vert pour cette magnifique trouvaille s'il vous plaît, c'est mérité. Allez, hop. Merde, c'est comme ça qu'on fait. On fait les travaux tranquille, on se met un petit café en attendant. Hop, allez, fais ton combo, bim, voilà, c'est ça qu'on veut voir nous. Qu'allons-nous découvrir? Nous avons une piste à la gare ferroviaire. Nos scanners ont détecté une activité de voleurs dans un vieux camp de forage d'arpote se trouvant juste sous votre position. Les larbins doivent entrer et sortir par les rails. Si vous arrivez à trouver le camp, vous devriez pouvoir trouver la gare. Ok, j'ai rien compris, j'étais dans mes pensées. Mais du coup, on va casser ça. Non, 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 avant de casser ça, parce qu'on va louper ça. Allez, casse ton truc, toi. Putain, mais qu'il est nul, ce Clank. Non, faut que j'arrête, je suis un peu méchant avec lui. Pauvre Clank. Et comment on y va, là? Non, c'est vrai qu'on prend ce truc. Bon, au pire, on s'en bat les steaks. Hein. On s'en bat les steaks hachés. Par contre, ça, j'aimerais bien le. C'est quoi? Je vais juste en prêter ça. Ah, ok, d'accord. Bon, bah, c'est pas mal. J'en prends une autre au cas où. Bah, voilà. On en avait besoin en plus, c'est tant bien. Je me disais, ça respawn pas pour rien. Et bah, j'avais bien joué. Je vais t'aider, Ratchet. Oh là, oh là. Exactement ce que j'appelle prendre les choses en main. Ouais, prendre les choses en main. Ah, c'est pas mal ce système d'étage. Ouais, franchement, faire un jeu comme ça, faut. Enfin, bon, je vais dire les qualités et les défauts, mais c'est quand même un putain de travail, quoi. Wow. Oh putain, on a loupé un boulon d'or. Eh, je veux remonter, moi, c'est hors de question. Hors de question. Of the night, of the mono night. Allez là, moi je veux remonter. Allez, hop. Allez, remonte par là. Hop. Totalement impossible. On va pas s'attarder là-dessus, sur mes petites bêtises. Wow, wow, wow. Ouais, franchement, là, comment je pouvais les voir? J'aime bien, c'est que des fois, c'est lui qui fait tout le travail, en fait. Vas-y, Ratchet. Les bulbes explosives contiennent une substance pyrocylique naturelle capable de détruire la roche. Trouvez-en un d'assez mûr pour exploser après un coup de fracasseur. Attends, faut casser ça d'abord. Ah, d'accord, faut taper là. Ratchet, ces explosifs. Ok, j'avais sont pas pigé le truc. J'ai cru que ça allait se casser en bas, du coup je voulais faire une étape après l'autre. Mais en fait, ça se rejoignait. Je pense que vous avez dû comprendre. Alors hop, on recasse ça. On descend les étages. Oh putain! What the fuck? Alors là, il y a un truc là. Là, il y a un truc. Hop. Allez, on récupère. Ouais. Pourquoi? Cassez où?
casser la voix. C'est pour casser la voix. Je sais pas pourquoi, mais c'est pour casser la voix. Oula. Bon, Clank, t'es où? On a besoin de toi, Clankounet. Youhou. Où te caches-tu, mon Clankounet? Fils de pute. Eh mais... Ça m'énerve, ça. Il met 2 heures pour venir. Mais il est où, Clank? Sans deck. Ah, il y a un petit bonhomme, là. Mais c'est qui, ça? On peut pas le ramasser? Je crois que le jeu est tout simplement en train de bugger. Eh mais c'est Clank. Eh regardez, il bug. Ah, il avait bugué, ouais. Ah bah vous voyez, il y a des bugs en direct, c'est magnifique. J'aurais pas pensé, mais ouais, pas mal. Je suis un peu surpris. Ok, donc en gros, si je comprends bien, on est baisé parce qu'il nous fallait le machin. Donc là, j'ai un peu les morts. Parce que je suppose qu'il va pas le faire, lui. Vas-y, balance-moi, au pire. Balance-moi, ma gueule. Oh, je lui ai jeté dans la gueule. Alors, je crois qu'il faut que je lui laisse faire. Je lui laisse choper ça. Allez, prends-le. Mais putain, mais il fout rien, bordel. Ces explosifs sont dangereux. Manipule-les avec soin. Mais il veut pas me jeter ou je sais pas, faire un truc. Franchement, je sais pas comment il... Je comprends pas, là. Ah, mais ouais, si je fais ça, que je fais? Fallait d'abord que je le mène là-bas. Que je lui lance. Parce que lui, il est trop nul, en fait. Je peux pas faire l'un ou l'autre. Pas me porter avec le machin. Ça paraît assez logique, mais j'avais pas compris la solution. Donc voilà, bon bah, on aura un petit peu galéré sur la fin. Ça aura fait un bel épisode, en tout cas je l'espère. J'espère que ça vous aura plu. On va juste continuer un peu là, hein, histoire de ne pas vous laisser sur votre faim. Parce que Dieu sait que vous avez faim, bande de coquines. Bande de mangeurs de kebab. Ah, oh, je vais le prendre par derrière, tiens. Je sais qu'on aime ça. Non, avec une arme, ça serait mieux. Vous entendez, il y a toujours le bruit par contre. C'est ça qui est un peu chiant. Voilà, en fait on tue un 2 balles dans le dos. Ok, là on va prendre ça direct. On va pas y aller par 4 chemins. Bam. Bam. Direct. C'est pas mal, là ça rezoome un peu. Je suppose. Voilà, qu'il faut le balancer. On va apprendre à utiliser ce fameux mash. Oh là 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 là. Oh là, il y en a deux. J'aurais pu en garder un, ça va être marrant. Ok. En fait, on l'a tué tranquille. Ces explosifs sont dangereux. Manipule-les avec soin. Bam, dans ta gueule. Il est pas mort. Ah, il va me défoncer là. Comment il arrive à gérer? Et Clank, franchement, il est baraque. Hein. Il est Barack Obama, le petit. En fait, faut juste lui tirer dessus, quoi. Je lui balance un putain de truc. Oh, il y a le monstre derrière. Oh, ça présage un super boss, ça. Hein. Vous voyez? Ah, j'adore le décor. D'après la base de données, les tortilleurs sont originaires de la planète Sarcasso et ont très mauvais caractère. Ah, il va y avoir des boss là, mes petits chéris. Mes petits kebabs. Non, mais non, mais va sur. Oh putain, il m'a fait peur. Oh, 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 on court. Ah, faut pas louper le boulon d'or là. Eh, ça m'a saoulé tout à l'heure d'avoir loupé le boulon d'or. En tout cas, voilà, on va se laisser par ici. Non! Mais reviens! Bah, allez, on continue un petit peu. Ah, il y a un boulon d'or là-haut, on l'a tous vu.
Allez, Clank. Mon petit Clank. Ok, génial. Je suis dans l'eau. Ah, l'eau, ça tue. L'eau tueuse. Ratchet, ces explosifs sont dangereux. Manipule-les avec soin. Ok, et il est censé nous le jeter normalement. Je crois qu'il est con. Je crois tout simplement qu'il est débile. Hein ? On est tous d'accord là-dessus ? Bah oui, monsieur Tom. Bah oui, on est d'accord. Bon, qu'est-ce qui branle ? Oh, je l'ai défoncé ! Eh bah ouais, non, mais il a qu'à aller de l'autre côté, ce trou du cul là. Je vais juste emprunter ça. Non, mais sans déconner, il fait exprès quoi. Là, on est d'accord, faut qu'il aille de l'autre côté. Me suivre. Je sais pas, je comprends pas. Je suis déception. Bon, on se laisse sur cet échec, hein, sur cet epic fail. Et puis, je vous dis à bientôt. Oula, ça aurait fait quand même 37 minutes. Hein. Bon, bah, ça aurait fait un long épisode. Je couperai peut-être en deux. On verra c'est quoi les bails. Je vous dis à bientôt. Bande de...